Alors, bienvenue pour une petite partie encore sur OSTGN. Je vais jouer un nez intéressant, c'est-à-dire en gros un équipec. Bon, je vais garder cette main. Elle n'est pas exceptionnelle. Mais, à voir. Le petit Gutenberg et le petit pop-up, bah, ça va ramener de la thune. Donc la thune, c'est toujours bien. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, bon, la Sansan, ça n'a pas l'air de l'intéresser. Ok. Du Aesop, c'est cool. Eh ben, on va continuer. On va faire de la tunasse. Et puis tiens, on va tenter une petite marmotte pour voir si... si il est plutôt intéressé ou pas. Ah oui, d'accord. Ok, bon, c'est du Aesop pur. Je suppose qu'il doit sûrement utiliser des programmes qui coûtent pas cher à installer pour revendre au maximum. Enfin là, pour l'instant, il pioche beaucoup. Ok, public sympathie. Bon, bah là, on va faire de l'économie. On score en astro, tranquillou. Du coup, je pense qu'après, il va être enclin à venir checker tout ce que je vais installer. Donc ça, c'est cool, parce qu'il va perdre du temps là-dessus. Éventuellement, ça va le taxer. Pour l'instant, vu qu'il est pas très riche. Tout bueno pour moi. Alors après, j'ai le DBS que je vais installer ce tour-ci, je pense, quasiment sûr. Histoire de piocher des assets à thunes ou des astros à chouchouter. Après, le Heli, là, j'avoue, pour l'instant, je sais pas trop où le mettre. Imp, d'accord. Bon. Bon, en fait, je crois que je vais purger. Bon, comme ça, il va revendre son hymne, tranquille à l'Aesop. Moi, je préfère qu'il le joue en dernier clic plutôt qu'il vienne me tracher des assets. Là, j'ai pas d'assets à thunes qui tombent, donc ça aurait été encore plus intéressant de purger. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il va commencer à faire de la thune. Ben, on va commencer à installer des petites choses pour le tentationner. Il est blindé de cartes. Pour moi, c'est bonheur. Du coup, je vais protéger la Sansan comme ça. Voilà. Ça me paraît bien. Ah, c'est dommage, j'aurais peut-être dû attendre le deuxième public sympathie, ça se trouve. J'aurais pu faire encore plus de thunes avec le Sweep Sweep. Ouais, donc c'est ça, je pense qu'il joue pas mal de breakers. Deep Red, ça se trouve, il joue Knight. Ou là, il y a une petite combo pawn, ou je sais pas, à voir. Vrapparand, alors à mon avis, le Tioper, il joue Inti en face. J'ai envie de dire... Est-ce que je pioche au Jackson? Je vais piocher une carte pour voir. Je vais installer ça là. Bernie, c'est une bonne protection à Sansan. Enfin, protection. Je me comprends. Ça taxe en fait. Bon, j'ai l'impression qu'il rentre pas. C'est dommage. C'est dommage. Alors, ok. CMC. Que va-t-il chercher? Ok, Sherazade. D'accord, j'ai compris le truc. Il va m'installer tout sur Sherazade. Donc, sûrement, il y a le pawn. Enfin, les pawns. Et il va peut-être faire la combo pawn, Sherazade. Ouais, c'est ça. Bon, c'est assez lourd à mettre en place. Il met ça sur un pop-up. Ça, c'est cool. C'est cool.
On va voir, hein. Je vais peut-être lui laisser faire sa combo. Idéalement, si j'avais un petit breaking news close, ça pourrait le calmer. J'ai bien envie de péter les op, moi. Ah, bon, ben, quand on parle du loup. Ça va mettre super bas en thunes. Que faire, que faire? Ouais. Je vais faire un close quand même. Close, c'est toujours bien. On va scorer ça. On va faire un close, comme ça, ça va l'obliger à remonter en thune. Moi, j'ai scoré 3 points, je suis pas mal. Et là, ce qui serait bien, c'est que je touche un peu des cartes à thune. Ça serait bueno. Il cherche encore des choses. Bon, là, j'avoue que le tuer au score, c'est difficile. Alors, après, j'aurais pu lui péter son public sympathie ou les obs, je sais pas. Bon, après, s'il est enclin à runner, c'est bien aussi. Parce que globalement, je pense que le Gutenberg, ça va lui coûter cher. Enfin, je pense qu'il prendra le tag, il se détagera. Et le pop-up, ben. Lui gagnera un renom quand il aura son deuxième pawn. Moi je gagnerai un chaque fois, je sais pas. Ça me paraît pas mal. Bon, la thune veut pas venir. Eh ben, on va fastad. Tranquillou. Bon, là le deck est sorti super vite. Ce grosso merdo, moi j'ai cramé 17 cartes. Je suis déjà à 5 points. Du coup, je me dis qu'il va peut-être se mettre à runner. Parce que lui, de son côté, il a pioché déjà la moitié de son deck. Hein. On peut pas vraiment dire qu'il aurait aimé beaucoup. Alors, bah voilà. Où est-ce qu'il run? Par contre, il a pas la thune pour péter la Sansan. Et sa combo avec Po n'est pas en place, ok. Donc, s'il y a qu'avec 5 raids tout pile, il risque d'avoir des surprises. Ok, donc moi je ne reste pas. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Peut-être un imp. S'il m'installe un imp et qu'il finit tagué. Non, ok. Ok. On va faire la trace. Que là, tagué, je vais hésiter entre péter le public sympathie et les op. Les op, ça casse son moteur écho. Public sympathie, ça me le met à portée de scorch. Là, j'avoue, je sais pas trop. Hein. Je ne sais pas trop. Alors, bon, en gros, je vais garder ça en main. Je vais faire thune. Et je vais lui péter ça. Les op.
Ça me paraît être le plus intéressant. Voilà, ce qui va se détailler. Ouais. Ah non. Ok, les joueurs. Est-ce que j'ai besoin de Scorch? J'en ai déjà une, ça suffit. Moi, je vais installer ça ici. Pour voir s'il est enclin à venir. Et je vais lui péter les hop. Qu'il a l'air d'aimer ça. Bon, je pense qu'il en joue 3 dans son deck. Donc j'ai déjà snipe. Ah bah non, c'était le dernier. Ah bah ok. Mais il a pas dû être content. Bon, bah un bon rage quit. Bah, je sais pas quoi dire. Je sais pas si je publierai la vidéo, ça mériterait presque, pour l'exemple. Et bah voilà, un joueur bien fair play comme il faut quoi. Voilà, bah sur ce, bah peut-être à une prochaine. Salut!